Shuv Erefto Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. On est ce soir le dimanche 23 du mois de Sivan, le 14 du mois de juin. Lechem Tovim, Lushalom, Bracha, Revacha, Vassacha, Bluchma, Seadechem. On remerciera une fois de plus Mordechai, Yaakov, Mordechai, Ayakar. Shiur dédié pour l'élévation de l'âme de sa maman, je pense. Beila, Bat, Eliezer, Yehuda, Kohen et Bat, Gitel, Bezrat Hashem. Oui, c'est sa maman. Bezrat Hashem, donc les Shiur pour l'élévation de l'âme de ta maman, Ruach Hashem, Tenachena, Begana, Eden, Elion, Bechol, Shorvot, Imma, Bichlal, Arahamim, Vasselechot, Bechen, Yeratam, Le Maramen, Tien, Nishmatat, Sorahim, Bechem, Hashem, Nasev, Nasser. Ce soir, on sera avec deux noms. Donc, vous pouvez aussi, Bezrat Hashem, dédier ce Shiur pour votre réussite. Bezrat Hashem, Refoua, Shlema, et bien entendu, les Ilou, Nishmat, Kol, Mete, Israël. Sans plus tarder, on est dans notre deuxième Shiur ce soir. On sera avec deux noms très connus, Avraham et Odelia, ou Odel. C'est la même chose au niveau de la signification. Avraham, composé donc de 5 lettres, Gematria 248, un nom très connu du personnage Avraham Avinu, donc le premier à le porter. Avraham qui devient le père des nations pour devenir le père de la nation. Avraham, l'homme du Chesed, un nom assez complet avec beaucoup, beaucoup, Baruch Hashem, de secrets dans ce nom, Bezrat Hashem, puisqu'il comporte en lui un des noms de Dieu les plus importants, qui est le même He, qui veut dire 45, du mot Evar Memhe, qui est le nom qui appartient à la Brit Mila, d'où la personnalité d'Abraham, qui pratiquera la Brit Mila à l'âge de 99 ans, Bezrat Hashem. Et donc, si on devait décortiquer les lettres d'Abraham, on a le Aleph et le Bet, ainsi que le He dedans, qui sont Rahamim Gmurim, c'est-à-dire bonté absolue. On a le Resh, qui est par contre, lui, très Midatadin, c'est ce qu'on appelle la rigueur absolue. Et on a le même qui, lui, par contre, est din et rachamim, c'est-à-dire rigueur et bonté mélangée. Donc, c'est quand même plus du côté de la bonté. En général, les gens qui s'appellent Avraham Avinu sont des gens au très bon cœur, qui donnent, qui aiment aider, qui aiment donner, vraiment. Et ils ont aussi un côté très rigueur en eux, un côté très colérique qui peut apparaître dans leur personnalité. Donc, sans plus tarder, on sait qu'Avraham Avinu, c'est un personnage très connu dans le judaïsme, donc on ne va pas perdre de temps avec ça. C'est le personnage aimé de toutes les religions. On l'appelle Ibrahim dans l'islam, dans le Coran, pardon. On l'appelle Avraham au sein du christianisme. On l'appelle Avraham dans le judaïsme. Il est aimé, il est respecté de tous, parce qu'Avraham aime tout le monde, donc il est aimé de tout le monde. Et bien entendu, Avraham, c'est le monothéiste, celui qui va au bout de ses idées. Quand il a quelque chose dans la tête, il n'a pas peur d'aller à l'encontre de tout le monde quand il sait qu'il a raison. Un personnage très spécial, très fort et en même temps un peu ambigu dans sa façon d'exister. Il peut commettre des erreurs. On voit sa femme, Sarah Menou, lui dire « Tu as tort, il faut faire comme ceci et comme cela. » Il a besoin de pouvoir, pour pouvoir écouter les autres, beaucoup d'estimer celui qui s'adresse à lui. « Alpi à Kabbalah Avraham ou Mitzad Chesed chez Benyamin » et Avraham appartient dans le monde de la Kabbale, ce nom-là, à ce que l'on appelle le chesed chez Bayamin, c'est-à-dire le chesed absolu. Mitnaek Avraham Avinu, Areu, Meoave Hashem, et une personne qui s'appelle Avraham Avinu et qui travaille ses midot pour ressembler à Avraham Avinu, l'homme qui sait accueillir, l'homme qui sait pardonner, l'homme qui sait donner, l'homme qui sait s'inquiéter pour les autres, alors qu'il sache que grâce à son nom et sa conduite, il saura tout de suite être aimé d'Hashem, particulièrement, comme c'est marqué Avraham Aouvi. Dieu l'appelle Avraham, mon bien-aimé, car Avraham a beaucoup d'émidot d'Hachem. Il est patient, il est un, je ne suis que poussière et cendre, dit Avraham Avinu. D'où l'importance pour ceux qui s'appellent Avraham de travailler particulièrement leur humilité. Bederer Klal, Bene Shemze, M. Arucha Koma, ce sont en général les gens qui s'appellent Avraham sont plutôt hauts de taille, souvent en tout cas, Mitzad Ait Pashtut Achesed, qui expriment justement leur côté. Pourquoi grand? Quel rapport avec le fait d'être grand en général? Pas forcément, mais ils ont, la plupart d'Avraham, une stature assez importante pour pouvoir ne pas déranger les autres, pour arriver jusqu'à eux plus facilement. Les cheveux qu'ils ont expriment, je ne sais pas de quoi ils parlent exactement en disant ça, une partie de leurs cheveux exprime la bonté qu'ils ont en eux. Nire Oulay, Adam Nadiv Lev, ce sont des gens qui sont assez
bons pour donner. Vatran, Bemamono, Agashmi, ce sont des gens qui donnent facilement, qui peuvent très vite faire la paix, même s'ils perdent financièrement ou matériellement des choses. Le chesed pour eux est très important, et le shalom encore plus. Velo Bemamono, Aruchani. Mais par contre, ils sont prêts à trouver des terrains d'entente s'il s'agit de choses matérielles, mais quand un Avraham est religieux, il ne recule devant rien quand il s'agit de spiritualité. Et c'est ce qu'on voit pour Avraham Avinu Alav Shalom, quand il dit à Lot, si tu vas à droite, je vais à gauche, si tu vas à gauche, je vais à droite, c'est pas exactement ce qu'il veut dire, mais on peut le prendre comme ça aussi. De telle façon à ce qui touche à la matérialité, Avraham, il n'a pas de problème de laisser, mais quand il s'agit de spiritualité, il se lève comme une rempart d'acier. Tov likro libno beshem Avraham, les Chachamim nous disent que c'est un nom très conseillé de donner à nos enfants le nom d'Avraham, car il est composé de beaucoup de secrets. Comme Avraham Avinu Sheshmo Yashpia Alav Iske Liot Tzadik, car Avraham Avinu est un tzadik dans le monde d'en haut, et vous savez que les noms influencent le tzadik influence celui qui porte son nom. Donc il le dit ici, car Avraham, quand il voit qu'on appelle un de ses fils de sa descendance du peuple d'Israël Avraham, il influencera sur lui personnellement, il vient le bénir. Au bal gminut chassadim, pour qu'il soit bon et généreux. Adam shoef kimat kol echad ve'echad. ומוכן להקריב מעצמו לאחרים בעזרה לזולת ובמעשה חסד רבים. Et les gens qui s'appellent Abraham, très souvent, sont trop bons. Ils en viennent jusqu'à se sacrifier pour les autres, à écart que les gens aillent bien, qu'ils se sentent bien, qu'ils vivent bien. Abraham est celui qui commet un peu l'erreur de penser à tout le monde, sauf à lui. Exact. Adam im rosh alaktafaim. Ce sont des gens qui ont vraiment la tête sur les épaules, en général intelligents, masquils. Baruch Hashem, ils ont une bonne analyse de la vie. Et ils ont une abondance tout le temps de nouvelles idées, ils ont tout le temps des choses à penser, tout le temps des choses à faire. Ils ont besoin d'aller vérifier eux-mêmes là où ils vont. Ils aiment bien, comme on a vu Avraham qui va en Israël, il va du nord au sud, de l'est à l'ouest, il parcourt tous les chemins pour se rendre compte lui-même et en même temps vérifier que tout se passe bien. Mais ils restent sur leur chemin quand ils savent qu'ils ont raison, comme je vous l'ai dit. Ils sont très durs à convaincre du contraire. Et quand il a son idée en tête et qu'on lui prouve même qu'il y en a d'autres qui ont pris un autre chemin et que ça marche, il n'a pas de problème de rester sur ses positions et d'aller sur son chemin à lui, car il croit en la valeur de ses vertus. Comme il sait que le chesed est une vérité dans ce monde et que Dieu aime les gens du chesed, pour des gens qui ne savent pas l'Avraham, il dit « Mazé Meshané, le chemin que je prends de toute façon, il sera avec la Baruch HaDashem, puisque moi, je suis avec Hashem. » Mignon. « Eno mevater oposa lechaven amatarot sheotam ou kaval atmo. Akshan meod. » Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'en général, les gens qui s'appellent l'Avraham sont très, très têtus. On voit avec Avraham ou Ishmael, faut qu'il parte de la maison. Il y a des problèmes entre Ishmael et Yitzhak. Ouais, il reste sur ses positions. Il reste. Jusqu'à ce que Sarah lui dise, hey, renvoie cet enfant. Et sa mère, tu vois pas l'avenir ? Et il n'écoute pas. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, alors il écoute. Il faut qu'Avraham estime beaucoup celui qui va lui donner le conseil pour qu'il écoute. Sinon, il va l'écouter, il a de la patience, il va lui dire merci pour le conseil, très courtois. Mais tu as parlé avec un mur. Parce qu'il faut être très fort pour le convaincre. Très, très fort. Pamim rabot, shinivga velokeach la lev. Ça peut souvent arriver chez lui quand il a été vexé et qu'il a pris quelque chose à cœur. Meot kachelo, velokeach zman ravat shinirga, esoleach la pogea. Comme ils sont très patients, si on les touche, il faut avoir beaucoup exagéré. Et pour qu'ils en viennent à se guérir de ces humiliations ou de ces manque de gratitude à son égard, eh bien, les gens qui s'appellent Abraham ont besoin de beaucoup de temps, malgré tout, pour pardonner. D'habitude, ils pardonnent très vite pour des ch'touillottes. Mais comme ils font beaucoup de bonnes choses, ils ne supportent pas ceux qui ne sont pas bons du cœur, ceux qui sont hypocrites. Ce sont des gens, en général, qu'ils n'aiment pas fréquenter. Mais quand on leur fait vraiment du mal, alors comme ils ont une nature un peu dure en eux, c'est dû à la lettre Resh, comme un crochet, le Resh, ça ressemble à un crochet. Ils restent très pendus comme ça sur leur position, et ils peuvent prendre beaucoup de temps pour pardonner, mais ils finissent toujours par pardonner malgré tout. Leur chesed, il suffit de parler à leur cœur. C'est-à-dire que si une femme épouse un garçon qui s'appelle Avraham, ils ont une faiblesse.
parles avec ton cœur à son cœur, tu l'as dans la poche. Il ne faut pas le dire à tout le monde. Im kol ze nir'eh mechubar im kol asovevim oto. En général, ils sont très acceptés dans la société. Ils n'ont pas de différence avec les riches, les pauvres, les gros, les minces. Peu importe avec qui ils sont toujours bien avec tout le monde. Bebidam esuyemet adam ksat sagur rikshit. Par contre, ils ont du mal à s'exprimer sur leurs sentiments vis-à-vis des choses. Ils sont un petit peu renfermés de l'intérieur. Ou pas mim rabot kachelo levate et atzmo klape kol asovevim oto. Et des fois, il arrive même des fois de ne pas savoir trouver les mots ou s'exprimer au sein des autres. Pourquoi ? Parce que les forces des gens qui s'appellent Abraham n'est pas dans leur élocution, mais dans leurs gestes. Ils savent agir et moins parler. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'appelle Abraham, il va avoir du mal à lui dire à sa femme combien il aime, combien elle est importante. Il va le dire, mais il saura mieux l'exprimer par un très beau bouquet de fleurs ou un très beau cadeau. Ce n'est pas des grands parleurs. Ce sont plutôt des gens qui vont beaucoup plus agir. D'accord ? Tov, yesh beshem ze et akoach ayeluda aberucha. En général, les gens qui s'appellent Abraham ont en eux, dans leur façon d'agir, ils engendrent la bénédiction dans ce qu'ils font. C'est bien d'être associé en général avec quelqu'un qui s'appelle Abraham. Pourquoi ? Parce qu'en général, ils l'ont. Sauf. Quand ? C'est qu'Abraham, il donne de la joie à tout le monde, il remonte le moral, mais comme on l'a dit, il s'oublie lui. Ce qui fait que tu peux tout à fait avoir un mec qui s'appelle Abraham, qui est en dépression, mais qui fait rire tout le monde. Et Abraham, ils ont une faiblesse. C'est qu'ils n'ont pas le droit d'être tristes. Parce qu'Abraham, c'est celui qui est là pour le peuple. Et ils commettent souvent, malheureusement, écoutez bien les mots que je vous dis, sont importants. Au niveau psychologique, ça aidera énormément. C'est qu'ils ressemblent des fois à des grues cassées qui veulent lever le monde. Ils veulent construire celui-là, ils veulent aider celui-là, ils veulent tout donner à leur épouse, les enfants. Je veux être là pour vous. Mais toi, tu vas bien. Il devrait prendre un peu plus de temps pour se donner à lui-même. Mais ce n'est pas sa nature. Lui, il dit toujours pour lui, moi, je ne suis pas important. Alors qu'il n'a pas compris une chose. C'est que tu ne peux pas aider si tu n'es pas construit. Et ça, c'est une grave erreur chez les gens qui s'appellent Abraham. Ils doivent toujours veiller, un petit peu comme on l'a vu avec le nom de Mazal. Parce que les gens qui s'appellent Mazal portent le Mazal. Ceux qui s'appellent Abraham, ils apportent du Mazal. Comme on l'a vu ici, en général, il est à Yeluda Brucha. Ce qui fait, porte la bracha. Alors pourquoi ça ne va pas ? Parce qu'il n'est pas réellement épanoui. Il n'arrive pas vraiment à s'épanouir. Il est tout le temps à la recherche de la perfection de ce qu'il faudrait faire. Donc, dans ce qui ne va pas. Et quand tu lui parles, il va te dire, non, je sais que ça va. Alors pourquoi tu ne vas pas ? Parce que c'est un perfectionniste. Par exemple, on voit chez Abraham qui veut que tout le monde soit le peuple d'Israël, toutes les nations du monde, on est tous juifs pour Abraham. Dieu lui dit arrête avec ça. Bechaï, Karel et Chazara, c'est de Yitzhak et de Yaakov qui aura le peuple d'Israël, pas des autres. Abraham, il a du mal avec ça. Il renvoie Ishmael, mais il va le revoir en cachette. Comme ça, dit le Midrash, il a du mal, il faut que tout le monde soit, tout le monde doit être heureux sur terre. D'accord, mais toi, tu vas bien, Abraham. Abraham, il doit un peu s'occuper de lui. Il doit veiller à ce que le sourire soit aussi bien dans son cœur que sur son visage. Sinon, il devient un peu droupi. I'm happy. Avec le petit drapeau israélien. Le Torah bala yaladim, im avtov, c'est un vrai nounours avec les enfants. C'est un bon père en général. Hashem ishtadel vedoeg le yaladab, le chol chasronot. Et il est toujours là pour s'occuper, comme il le dit ici dans le nom d'Abraham, pour ce qui manque. Donc s'il regarde tout le temps ce qui manque, il voit rarement le côté plein de la vie. Et psychologiquement, c'est ce qu'il atteint. D'ailleurs, quand tu entends quelqu'un qui s'appelle Abraham, il te dit toujours, j'aimerais bien te construire, j'aimerais bien t'acheter, j'aimerais bien te donner. Donc, il est dans quoi, dans l'absolu ? Dans le manque. C'est pas, regarde le verre à moitié plein. C'est que sa nature, c'est de remplir ce qui est vide. Mais le problème, c'est que tu ne vises que le vide. Donc, tu sais, moralement, concrètement, que le plein existe, le seul problème, c'est que tu te noies dans le vide. C'est pour ça que les gens qui s'appellent Abraham sont souvent... En réalité, quand je dis que c'est des perfectionnistes, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'ils veulent perfectionner le monde, pour Dieu, pour que les gens soient heureux. Parce que leur bonheur dépend du bonheur des autres. Ce qui fait que les gens, parce qu'ils sont heureux, mais ils sont malheureux de voir malheureux. Donc, ils se trouvent inutiles. D'où le piège de s'appeler Abraham quand on n'est pas bien canalisé dans sa tête. Faire attention à ça. Vechol gil ou vechol zman, toujours actif à n'importe quel âge, Adam chaser bitachon atzmi.
Et là, on tombe sur un piège, sur le nom d'Abraham. C'est qu'en général, les Abraham, ce sont des gens qui manquent de bitachon atzmi. Ils ont un manque de confiance en eux. Ils n'ont pas peur de défier l'impossible. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'ils ont un manque de bitachon atzmi. Et donc, ce qu'ils doivent travailler le plus, c'est quoi ? La emouna, tout simplement, une fois de plus. Les kol achlata, les gabé isha, les sec, et quand il s'agit d'épouser une femme, de faire une affaire, les repochola me assez, ou la bête, il est tout le temps en train d'hésiter, il va se remettre en question. Mais pourquoi ? Est-ce que je te donne le bonheur qu'il te fallait pour toi, ma femme ? Est-ce que les enfants, ils n'auraient pas mieux eu un meilleur père ? Le travail, je ferais mieux d'être ouvrier. Uff ! Ceci étant, de nos jours, c'est mieux d'être ouvrier, mais bon. Zman Rav Shemekabel Achlata, il a du mal à prendre les décisions, car il a peur tout le temps de ne pas faire ce qu'il faut ou ce que l'on attend de lui. Ce qui fait de lui, hormis son côté extraordinaire d'être un soleil pour les autres, est un peu rasratique pour lui-même. Pa'il Venimrat. Ce sont des gens qui ne sont pas fainéants, Baruch Hashem, assez téméraires. Ils n'ont pas de problème de bouger, ils n'ont pas de problème de travailler même à des heures impossibles s'il le faut, et même sans se reposer. Grâce à la lettre E qui est dans son nom, et grâce à la lettre E qui est en lui, il arrivera à non seulement créer un bel avenir, mais de qui plus est avoir des enfants et une belle progéniture. Béni d'Hachem. Kemosh Katouv, Avraham. Avram est nomolide, et l'Avram molide. Et comme on le sait, Avram, sans le He, n'arrive pas à avoir d'enfant, mais grâce à la lettre He, la lettre, vous savez qu'Alpi Kabbalah, c'est la lettre de Anti-Ainara, d'où le 5, Hamsha, la lettre He, et Avram Avinu, Bezrat Hashem, il doit se protéger aussi de l'Ainara particulièrement, c'est quelqu'un de bon. Et très souvent, sa gentillesse est prise pour de la faiblesse. Pourquoi ? Parce que s'il n'arrive pas à canaliser cette façon d'être, de vouloir tout le temps rendre service, de donner, de se démunir pour les autres, résultat des courses, il peut finir, lui, nu, alors qu'il a habillé tout le monde, et après se dire, mais mince, qu'est-ce qui m'arrive dans ma propre vie ? Donc, Avraham, tu dois canaliser cet extrême, car tout extrême est nuisible. Ne pas mélanger l'amitié avec le travail, ne pas mélanger le fait de donner, alors que des fois, ta femme, elle a besoin d'entendre de belles paroles, plus de complicité. D'accord ? Parce qu'Avraham peut très bien dire à sa femme lui dit, ouais, mais je ne comprends pas pour l'argent, par exemple. Il veut dire, pourquoi tu manques de quelque chose ? Mais je voudrais qu'on en parle. Je voudrais qu'on parle de notre vie. Je voudrais qu'on parle. Il a du mal à s'exprimer dans ce domaine. Et comme il est gentil comme tout, il va dire, bon, t'as raison. Voilà, c'est un peu le personnage Abraham, celui qui veut arrondir tous les angles. Mais faites attention, parce qu'au niveau de la psychologie, Abraham commet des petites erreurs, s'il n'est pas très bien canalisé. C'est qu'il veut arrondir très vite les angles. Donc dire, t'as raison, mais ça ne résout pas le problème. Ok, j'ai raison, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et Abraham ne donne pas suite à cela. Les gens qui s'appellent Abraham ne vont pas donner spécialement suite en disant « Bon, tu sais quoi, on va faire comme tu veux. » Mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux qu'on fasse ce que l'on doit faire, pas comme je veux pour te débarrasser de la discussion. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça parce qu'il va être obligé de dévoiler qu'il a un petit manque de confiance en lui. Et donc, on ne peut pas vraiment tout le temps compter sur lui. Et donc, il va prendre des conseils. On a dit qu'il ne prend des conseils que de ceux qu'il estime. Donc, il est dans une espèce de prison dorée psychologique qui peut ternir un petit peu sa façon d'exister, ce qui est très dommage, parce que s'il était comme Avraham qui a réussi sa vie, et pourquoi ? Parce qu'Avraham est très complice avec sa femme. Avraham et Sarah, comme dit la Gemara dans Baba Metzia 59 Amoud Aleph, il est complice avec sa femme, il est proche de sa femme, il est ami avec sa femme. Très conseillé à ces gens-là de faire de leurs épouses les meilleures amies. Bien entendu, on parle d'une épouse normale, pas une pervers narcissique, pas une schizophrène, une personne qui a des pathologies, on ne parle pas de ça, on parle vraiment de gens normaux. Et vivrait une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus épanouie, et de comprendre que dans la vie, on ne peut pas tout le temps aider tout le monde, on ne peut pas épanouir tout le monde, et que dans la vie, il faut aussi s'occuper de soi, de sa santé, il faut s'occuper de sa famille, pour eux, et ne pas croire qu'avec des gestes, on peut tout le temps tout résoudre. Des fois, le dialogue est beaucoup plus important, et qu'on ne peut pas tout le temps cacher un mal de vivre, parce qu'on a malheureusement raté des années dans sa vie où on aurait dû un peu se donner à soi-même. Car comme le dit le proverbe, et vous le savez, charité bien ordonnée commence par soi-même. C'était pour le nom d'Abraham. Il y a encore beaucoup de choses à dire. On passe au nom de Odélia. Odélia, pareil, Odélia, qui veut dire remercier Hachem. On connaît la fille de Adèle, le Baal Shem Tov, Alav Shalom.
C'est un très beau nom, Odelia. Il y a le He, il y a le Yud, donc c'est un nom important. Il y a le Aleph, il y a le Lamed. Toutes les lettres qui forment les lettres du mot Odelia sont waouh. Alors vous le savez, dans les noms, donc on va tout de suite décortiquer. On ne connaît pas de Tzadkaniot, à proprement dit, dans la Torah, qui s'appelait Odelia. Peut-être qu'il y en a, je n'ai pas vérifié. Mais en tout cas, de souvenirs du Tanakh, je ne me souviens pas qu'il y a la Tzadeket. Voilà, c'est ça que je cherchais, Odelia. Alors on va prendre le Aleph, le Vav, le Dalet, le He. Sont toutes des lettres de chesed absolu. Des filles qui s'appellent Odelia, c'est un nom de fille, bien entendu, vous le savez, bonté absolue. Seulement, attention, attention, il y a le Lamed, qui part du haut vers le bas. C'est Lamed, donc c'est empreint de Din et de Rahamim. Ça a aussi bien empreint de justice, de rigueur, que de bonté. Et qu'est-ce qu'on a encore comme lettre dedans? Tout le reste, c'est du chesed. Donc ça va. En quoi il y a un danger avec Odelia? En quoi il y a un danger? C'est que ça peut être pris pour des bonnes poires. Alors, Techef Nire Bezrat Hashem, que Odelia, c'est un nom qui monte très haut, puisqu'il y a le Yud et le Ké. Et le Yud et le Ké, c'est quand une fille s'appelle Odelia et qu'elle fait Teshuva, elle monte jusque devant le trône divin. Son nom est extrêmement puissant. Très haut. Mais si une fille qui s'appelle Odelia, à cause du Lamed, descend vers le bas, alors elle fait descendre Dieu très très bas dans le monde d'en bas. Et elle peut devenir un grand Chiloul Hashem. Les filles qui s'appellent Odelia sont dans deux mondes. Parce que leur signification veut dire remercier Dieu. Et on va tout de suite dire dans ce cas-là, alors c'est comme ça que tu me remercies. C'est pour ça que les filles qui s'appellent Odelia vivent un peu sous tension d'être toujours sous le regard d'Hachem. C'est un nom très beau, très puissant, mais très regardé par Dieu. Donc, faire attention avec ce nom. Ça veut dire que Dieu compte beaucoup sur toi quand tu t'appelles Odelia. Puisque tu viens dire remercier Hachem. Vous savez que le monde a été créé pour une des midas principales, c'est Modim Anachnoulach. Remercier Hachem toute la journée. Tu te rends compte de porter ce nom, ce que ça veut dire? Allô, Odelia, tu l'appelles par celle qui a en elle le principe fondamental de dire constamment Baruch Hachem, Todarabah Hachem. Donc tu ne peux pas être dans la Vera. Ce qui fait que quand une Odelia n'est pas très pieuse, quand elle descend de son niveau spirituel, elle peut devenir menteuse, voleuse, arnaqueuse, mauvaise. Parce que son nom est très haut, il suffit de retourner le nom et ça descend très bas. Faire attention à cela. Le problème, c'est que tout est fait dans le chesed. Ce sont des très bonnes personnes en général qui ont un très bon cœur. Quand elles aiment, elles vont jusqu'au bout. Bezrat Hashem. V'techef nirei arshav mashomrim lanu rabotem lai mashalom. C'est bon? Achat imishiyut gdola, une grande personnalité, celle qui s'appelle Odelia. Les gova, mais anyenet meod. Et ce sont des gens particulièrement intéressants à fréquenter. Pamim shemit kasha, levate klaper chutz et arigishut shela. Ce sont des filles qui ont du mal, par contre, elles aussi, un peu comme Abraham, à exprimer leurs sentiments, à exprimer leurs ressentis. Shiktsitra leachlit benyane abait. Mais quand il s'agit de décider en ce qui concerne la maison, la famille, le travail, v'chol chadomé, le kach la zman rav litgaber al kol a isusim velavlatim. Donc elle prend aussi beaucoup de temps, elle est très hésitante dans sa façon de mener sa vie professionnelle, familiale, très hésitante de ce qu'elle veut vraiment. Elle est, justement, le fait de remercier Hachem, il faut le ressentir. D'accord? Et donc, il faut beaucoup réfléchir pour arriver à s'épanouir. Le lieu, la maison, le travail, si elle n'est pas épanouie, elle n'arrive pas à trouver la joie. On peut retrouver ça dans beaucoup de gens, mais chez elle, c'est particulier. Mitkasha le'atim et atzma betor misgeret avoda. Comme par exemple, elle a du mal à se retrouver parfaitement épanouie dans n'importe quel travail. Elle a du mal avec le travail. Pourquoi? Parce qu'elle n'aime pas être enfermée. Elle n'aime pas être. Elle remercie Hachem. Certes, mais elle n'aime pas être sous barrière. Shesham gbalot mibeli chofshiut atzmit margisha mamash hanouk. Dès qu'elle doit pointer, dès qu'on lui dit quoi faire, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, là, faut pas qu'elle sorte, faut pas. Par rapport au travail, on parle entre autres, ou une vie de famille, elle se sent tout de suite étouffée. Car les filles qui s'appellent Odelia aiment être libres dans leur vision et leur façon de voir la vie pour remercier Hachem à leur façon à eux.
Je m'explique. Imagine que maintenant, je viens te voir, ma femme, et je te dis, va le remercier. Qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi? Pourquoi tu veux que j'aille le remercier? Odélia, c'est celle qui remercie Hachem. Donc, il faut qu'elle arrive à remercier Hachem parce qu'elle se sent bien. Donc, elle a du mal à s'intégrer facilement dans les situations dans lesquelles elle se trouve. Dans la vie de couple, dans la maison. Pourquoi? Parce que, comme j'ai un nom qui remercie Hachem, je ne peux pas être hypocrite, il faut que je remercie. Donc, il faut que je sois bien. C'est très difficile de trouver un endroit où on est bien au travail, bien dans la vie, bien dans le couple, bien dans les enfants. C'est impossible. Personne n'est parfait. Personne ne peut vivre cela. C'est pour ça que je vous dis, c'est un nom merveilleux. Ce sont des filles qui sont très sympathiques, quelque part, mais c'est un nom très, très dur à porter. C'est un nom qui est... J'ai un poids sur le dos, parce que le nom va influencer sur ma personnalité. Plus exactement, ma personnalité va me faire porter ce nom, parce que je suis né comme ça. Et donc, elle margisha mamash chenek, velachen tzricha lidog la'atzma bibli lechakot l'acherim. Et c'est pour cela qu'elle doit toujours, avant faire quoi que ce soit, de s'épanouir d'abord elle-même, et ensuite elle pourra épanouir tout le monde. Elle a besoin de se retrouver face à elle-même. Chez Azroula, et donc Kedaïla de demander de l'aide, de demander de bons conseils à des personnes de bonnes influences, avec beaucoup de Yirat Shamaïm, comment évoluer dans le monde, car ton nom est là pour remercier Hachem, et Dieu ne vit que dans la spiritualité. Donc ne va pas t'installer dans une shruna qui n'y a pas de Torah, ne va pas fréquenter des gens où il n'y a pas de Yirat Shamaïm, fais très attention à ton environnement. Velo la mod al shela mitor ga'ava, car elle peut devenir très très vite ga'aftanit, elle peut devenir très dure et orgueilleuse très rapidement en envoyant tout le monde balader. Donc, d'un côté, elle doit s'occuper d'elle. Mais comment elle s'occupe d'elle, nous disent les Chachamim, en allant poser des questions à des gens qui représentent la lumière d'Hachem. Sheikhola l'igram la l'erzaba. Sinon, dans ses propres décisions, à cause de son orgueil, elle peut arriver à de très, très, très grandes arzava. Déception. Merci pour l'aide. Chachama, on ne peut pas dire qu'elle est bête, au contraire. Elle est remplie de sagesse, une grande intelligence. Yeshra Rosh Gadol, elle a un esprit assez ouvert, al a ktefaim, une tête bien posée sur les épaules où elle réalise parfaitement les choses. Et tricha le natzel et achochma sheba. Et au lieu d'écouter son cœur, elle ferait mieux d'écouter sa tête. Odélia. Elle ferait mieux d'écouter sa tête, elle a une bonne tête en général. Nimset kimat tamid, lorigua nafshit. On tombe un petit peu dans le péjoratif du nom Odélia. Elles sont rarement reposées au niveau de l'âme. Elles sont toujours à la recherche de plus de bonheur. Elles n'ont pas une âme qui est au repos. Voilà. Pnimit. Un combat personnel comme ça. Et c'est pour ça que les filles qui s'appellent Odélia ne doivent jamais rien faire. Non. Ne doivent jamais rester sans rien faire. Pourquoi? Parce qu'après, son esprit l'emmène à de mauvaises pensées, un peu triste vers le bas. Oh, betnuat midit, le chazek et atna, et tata mishparti. C'est bon pour elle, par exemple, quand elle est avec les enfants, de s'occuper des enfants, de sortir les enfants, de jouer avec les enfants, quand elle a son mari, d'être proche de son mari, au travail, d'avoir son esprit tout le temps occupé, de peur que, malheureusement, elle puisse en arriver à cette remise en question de sa vie, constamment. Parmi Shemit Paretset, Vekoeset, car elle peut être très nerveuse, comme je vous l'ai dit, et très orgueilleuse. Et des fois, quand ça lui prend et qu'elle éclate dans une colère, waouh, Alkol Zivata, les Lorahamim, jusqu'à ne plus avoir aucune pitié pour personne, ne tenir compte d'aucun sentiment qui l'entoure, Tzricha Lishlot Batzma. Elle doit se travailler, Samida, de la colère. Et Bli Le'arer Ala Shalom Bait. Juste un instant. Car ce sont des filles qui sont en réalité remplies d'amour et de chaleur en elles. Et quand sa vie ne va pas, eh bien, ça tombe très très mal. Elle peut se battre comme une lionne et en arriver à faire beaucoup de mal, jusqu'à même briser son shlom bait. Faire attention à cela, à cette colère. Il ferait mieux de parler et de comprendre, car elle a la tête sur les épaules. Mais une fois de plus, sa recherche d'elle-même peut l'emporter dessus et l'amener à de grandes contrariétés. Yesh devarim shovrim alea b'chaim, imlo b'vikuchim, o b'nisyonot b'tmodiot machlokot shonim, machlokot shonim. Donc c'est une fille qui peut être confrontée à de grandes difficultés dans sa vie, beaucoup d'épreuves, de conflits, de machlokot. Pourquoi? Parce que elle répond, elle a une personnalité qui est très forte, et donc ça peut provoquer tout de suite des
on coupe les ponts. Faire attention à cela, d'où le travail de son humilité quand on s'appelle Odélia. On attend d'elle beaucoup de remerciements et elle peut très bien te répondre si elle n'est pas contente de quelque chose, en oubliant ce qu'elle te doit et te rentrer dedans. Donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est un nom qui peut monter très haut. Quand une fille s'appelle Odélia, qu'elle est humble, qu'elle a de la Yirat Shamaïm, elle n'a rien à voir avec tout ça. Elle est extraordinaire. C'est presque une des meilleures femmes qu'on puisse trouver. Mais si elle manque de cela, alors on peut tomber sur une fille qui est très kassanite, très colérique, et qui peut malheureusement mettre beaucoup de difficultés dans sa vie qui auraient pu être évitées. D'accord, comme c'est marqué ici, il dit ici, « Lokachat et zeh beofen ishiv kachel eliba » car elle aussi, elle prend à cœur, si elle quitte son intellect, et c'est kachel eliba, et ça peut être très très dur pour elle, et sera levater ou la vlig ou la mshir. Et ce qu'on conseille facilement aux filles qui s'appellent Odélia, c'est d'arrêter de s'arrêter à chaque détail, de laisser passer les choses. Des fois, en laissant passer les choses, ça s'arrange beaucoup plus facilement que de relever chaque point, chaque détail, chaque souvenir, chaque parole. Daï, laisse couler. Regarde l'avenir. N'oublie pas qu'aujourd'hui sera engendré Bezrat Hashem par demain. Donc patience, manque de patience. Mamasul Khalim, l'otamid, mitlakikin vache. Sa vie n'est pas forcément remplie de miel. Velachen srichaliot chazaka benafsha velamod na mulkol ba'ya o tsara. Et c'est pour ça que les filles qui s'appellent Odélia, comme elles ont un rôle très important à jouer au sein du peuple d'Israël et dans leur propre vie, doivent être bâties de façon sereine, psychologiquement et face à tout problème et à tout malheur, si, chas v'shalom, les choses devaient arriver, mais ça arrive à tout le monde. Tout le monde a son sac de malheur. Ne voyez pas le mot Odélia égal malheur, chas v'shalom. C'est pas ça du tout que c'est en train de dire. Simplement que, comme elle a de très grandes midotes et un cœur pur, il est très important pour elle, ouais, elle est très sensible en réalité, il est très important pour elle d'être construite. Donc si vous avez une fille qui s'appelle Odélia, il faut vraiment bien veiller à son éducation, de lui donner toute la sécurité qu'il lui faut et lui apprendre à être calme, à attendre, à bien comprendre les sujets, à bien négocier, à bien discuter. Elle sait très bien ce qui est réellement bon pour elle. Elle voit très bien les choses de loin. Elle peut être sans cesse en train de travailler. Elle est tout à fait capable de créer de très beaux projets et de les lancer elle-même. Car son intelligence lui permet de, même des créations de son esprit, d'inventer des choses qui n'existaient pas avant. Mikoach haotiot yudke, car les lettres yudke sont en elle, qui viennent du très haut. Nachon bishma shel Odélia, vezehu mishmo shel hakadosh baruch hu itbarach vishmo la'ad, car Dieu est sur elle et il la garde parce qu'il aime les filles qui s'appellent Odélia. Elle en avait gam mo'il iskot lechaim tovim, et celles qui portent ce nom-là, si elles se comportent bien, peuvent avoir une vie de folie. Lechaim tovim baruchim, une vie longue, heureuse et épanouie. Zgula linatzel minamita, et même éloignée le jour de leur mort grâce au Yud et au Ké qui est en elle, à la condition où elle porte bien son nom et qu'au lieu de se plaindre de tout et de crier sur tout le monde, elle dise Todalael, Baruch Hashem, c'est bien. Si elle est positive et qu'elle porte son nom par ses lèvres et qu'elle exprime un peu plus, qu'elle ouvre un peu plus son cœur à parler, eh bien, elle évitera beaucoup de dégâts. Et elle se sera évitée elle-même à beaucoup de dégâts, car Odélia a un ennemi principal, c'est sa bouche. Si elle faisait un peu plus attention à ce qu'elle sortait de sa bouche, elle s'éviterait beaucoup moins de problèmes dans sa vie privée à elle, tout simplement par plus de patience, plus de sourire et remercier Akadosh Baruch Hu. Si elle le fait, une bombe atomique. Baruch Adonai l'Olam, amen, va amen.